sucré. Bonsoir les téléspectateurs, je suis très heureux d'être avec vous. Enfin, j'ai pu attraper au moins cela aujourd'hui, parce qu'elle au moins qui dégage pour les hommes, pour qu'on la paye. Et l'affaire qui arrive là, cela aujourd'hui, elle est en face de moi. Moi, je défends aussi les hommes, je suis la seule de tous les pleurs. Aujourd'hui, nous allons faire face à face. Et cela, je suis très heureuse, parce que pour t'attraper aussi, c'est pas facile. Hein. C'est ça. On passe partout pour avoir cela, qu'on dit, hé, hey, celle-là, on l'a, la vieille, est-ce que tu as de l'argent pour la causer? Parce que tu n'as rien, tu ne causes pas cela. Donc, cela, bonsoir. Bonsoir, maman Laure. Oui. Comment tu vas? Très bien. Ah, maman Laure, aujourd'hui, là, ça a chauffé. Ah, c'est ce que je voulais savoir, parce que c'est... vraiment, elle a fait là. Hein. Tu défends les hommes. Oui. Il n'y a pas de problème, maman Laure, c'est tout à ton honneur. Mm-hmm. Mais moi, je suis du côté des femmes. Donc, aujourd'hui, on va se parler. On va se parler. Bien. Comme toi, tu défends les femmes. Mm-hmm. Moi, je défends les hommes. Mais je pense que vraiment, aujourd'hui au moins, on va voir ce qui va se passer. C'est ça. C'est normal, parce que toi, de ton côté, tu défends les femmes. Mm-hmm. Mais moi, aujourd'hui, je suis syndicat des hommes. Ah. Et j'ai décidé de supporter les hommes. Et moi, j'ai décidé de supporter les femmes. Voilà, parce que sans l'homme, l'homme n'est rien sur la terre. La femme n'est rien sur la terre. Tu vas beau caca faire ceci, cela, c'est chez l'homme que tu vas terminer. Ah, maman, là, c'est ce que toi tu penses. Hein? Parce que je suppose que c'est la femme qui donne la vie. Mm-hmm. Si nous, on ne supporte pas 9 mois, mm-hmm. si nous, on est capable pour que l'enfant sorte, pour donner vie, mm-hmm. vous les hommes là, mm-hmm. vous servez à quoi? Voilà. À déverser? Mais avant d'écarter, puis l'enfant va sortir, qui a mis cet enfant là là-bas? C'est un petit grain que vous appelez spermatozoïde. Mm-hmm. Mais pour que le spermatozoïde devienne un homme, un être humain là, mm-hmm. il faut que la femme porte ça 9 mois. Mm-hmm. Garçon, pas de grossesse, j'aimerais les y voir ici. Hein? Les je suis d'accord avec vous. Garçon ne porte pas de grossesse, ça c'est du jamais vu. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu as mis, on a mis un enfant au monde, que aujourd'hui on va se mettre là pour se dire celui qui va coucher avec moi il va payer. Ça ne fait pas parce que donne pas. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que vous faites aujourd'hui les femmes, que les hommes ont peur de s'approcher. Tous les hommes veulent se marier. Il y a pas un homme qui va dire que lui il se marie pas. Mais déjà, on vient vers toi, il faut payer votre mèche, vous appelez ça humain, de 500 000 francs. Pourtant, le monsieur même est payé à 60 000. Il va enlever ça où? Mais maman, si tu es payé à 60 000, va chercher les femmes de ton level. C'est aussi simple que ça. Mm-hmm. Parce que tu ne peux pas prétendre avoir 60 000 francs à la fin du mois et tu vas chercher une femme qui elle-même a 1 million à la fin du mois. Mm-hmm. On fait comment? Bon. On dit que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Les catégories se promènent ensemble. Attends. Je ne suis pas en train de dénigrer les gens, mm-hmm. mais moi, Sola, je connais ma valeur. Mm-hmm. Moi, Sola, je sais ce que je gagne à la fin du mois. Je ne peux pas aller chercher ministre, sachant que mon monsieur, c'est pas animatrice. Mm-hmm. Je vais chercher les gens de mon milieu ou bien les gens qui sont de mon même plumage et que je peux voler. C'est logique. Sonia. Parce qu'il y a loup là, il ne faut pas charger. Je suis très d'accord avec vous, hein? Parce que c'est ce que vous voyez. Mais je pense que toi, tu gagnes les millions là. Pourquoi tu ne dis pas un million, le papier vient me couiller? Non, maman, tu n'as pas compris ce que je dis. Non, j'ai bien compris. Je dis que... Tu gagnes 1 million. Non, je dis c'est un exemple que j'ai pris. Mm-hmm. Je dis, un homme qui gagne 60 000, comme tu l'as dit, ne peut mm-hmm. pas aller prétendre chercher une femme qui gagne 1 million. Mm-hmm. J'ai dit tout de suite que moi, je ne peux pas me permettre d'aller chercher un ministre, d'aller courir derrière un ministre, sachant que moi-même, je suis qu'une simple animatrice. Mm-hmm. Donc, je reste dans mon milieu. C'est-à-dire les gens qui peuvent, avec qui je peux marcher là. Mm-hmm. C'est là-bas que je me jette. Bon, je suis... C'est tout. Moi... Donc, les hommes n'ont qu'à faire autant. Si tu n'as rien, mais cherche ta petite go du quartier qui évolue, elle. Oui, c'est mais, tout. Mais toi, tu es ghetto, tu cherches l'homme qui arrange Rover, femme qui arrange Rover. Mais, champion, tu es comment? Mais aujourd'hui, là, ces femmes que tu as dit, ou bien quoi, vers tout ça, là. Mm. Mais aujourd'hui, vous êtes à la recherche des hommes. Bon. Parce que sans un homme, tout ce que tu entends, dire, même si tu deviens même lesbienne, tu deviens quoi, mais la queue d'un homme est plus doux que la queue d'un homme. On reconnaît que là, c'est doux. Voilà. Je suis d'accord avec toi, maman Lo. Voilà. Le truc là, c'est doux. Nous, tout, on aime ça. Mm-hmm. Mais en même temps, on dit quand c'est doux là, mm-hmm. c'est comme ça, ça doit aussi donner les feuilles qui vont avec. Ouais. Nous, on n'est pas là pour chercher le plaisir uniquement. Si c'est pour chercher le plaisir, là, maman, il y a les vibros, ma soeur, si tu vas à ce côté là, Gaïa, vibro comme ça, tu peux aller payer. Tu vas mm-hmm. te mettre bien, puis ça va pas quelque part, c'est entre toi et puis ton Dieu. Personne de ta vie en tête te chouler. Mais je dis que ça là, quand ça s'élève là, là elle aussi doit sortir pour accompagner. Parce que bon, tu vas pas avoir une femme qui est belle. Elle est chic, elle est élégante. Quand elle vient, elle garde son petit fait. Elle a sa bonne petite situation. C'est-à-dire que peut-être derrière, il y a quelqu'un qui fait ça. Donc toi, tu vas pas te lever ailleurs. Tu vas venir dire, maman, faut te déshabiller, sachant que c'est un autre qui fait. S'il a payé mèche, toi, tu vas payer chaussure. Je suis d'accord avec toi. Mm-hmm. Tout ce que tu es en train de dire, parce que tu as ta voiture, tu as garé, tu avais tout. Mais toi-même, tu sais que c'est pas ton genre. Si c'est moi la seule, je sais que ce n'est pas mon genre. Je ne vais pas aller me déshabiller. Justement. Parce que mais, il faut ne te déshabiller pas pour le plaisir, pour montrer que toi, avec toi, ça marche avec l'argent. Les fesses qui marchent avec l'argent. Il y en a plein qui traînent. Moi, la seule heure aujourd'hui, je suis coach aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a plein qui traînent dans la rue. Mm-hmm. Elles sont belles, elles m'appellent la seule heure. Est-ce que tu peux me... Elles n'ont qu'à dire à leur villa ou bien elles aiment faire qu'elles ont garé là. Elles t'appellent pour te dire quoi?
de chercher un garçon pour elle. Oui, elles sont à la recherche. C'est que vraiment, mais elles ne se connaissent pas. Hein. Parce que moi, je suis là, je ne peux pas appeler quelqu'un pour dire qu'il faut trouver un garçon pour moi. Je n'ai même pas besoin de chercher. Eux-mêmes, là, ils viennent. Mais, oui. Mais je suis claire, maman Laure. Je dis tout simplement que. Pour moi, la seule Laure. La seule Laure. Parce qu'il y a trop de Laure. Ah, d'accord. Donc pour toi, c'est la seule Laure. D'accord. Unique en son genre. Maman, la seule Laure. Oui. Unique en son genre. Mm-hmm. Je dis. Oui. Un homme qui vient vers une femme. Des fois, on n'a pas besoin que le gars ait des millions. Mais de temps en temps, là, tu regardes ta go et puis tu dis, hey, aujourd'hui, là, j'ai vu un parfum, un grand parfum, là, je vais me sacrifier, je vais offrir ça à ma chérie. Mm-hmm. Le geste, là, c'est tellement important. Mais il y a de ces adibatés qui viennent de ces grosses choses en bas d'eux. Ils n'ont pas envie de dépenser l'argent. Quand ils rentrent, ils ressortent, quand tu es bousillé à vie, et puis ils s'en vont ailleurs. Non, maman. L'amour d'aujourd'hui, on n'a qu'à se dire les vérités. Tu es femme, je suis femme, maman. L'amour d'aujourd'hui, là, ça s'entretient. Tu peux être beau comment, tu n'as pas les feuilles là. Les filles là ne vont pas te regarder. On n'est plus à la recherche de muscles. On n'est plus à la recherche de Abogaïs Gros Grain. On a la recherche de qui peut nous faire évoluer financièrement. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, tu as ton argent, j'ai mon argent. Moi, je tu pense me donnes, que... je vais te donner. Si tes feuilles restent dans ta poche, moi aussi, il faut laisser mon stream. Tu ne vas pas pousser ça sur le côté. Arrête ça. Mais ma chérie, quand il venait vers toi, quand il venait. Toi-même, tu viens de le dire, hein, quand tu n'as rien, il ne faut pas aller vers moi. Qui t'a bousillé? Parce que la queue d'un homme, tu ne vas pas savoir le kilo qu'il pèse. S'il est rentré vers toi, toi aussi, là-bas, c'est que c'était au palais des sports. On ne voit jamais. Non, non. Parce que moi, je préfère que moi, la seule Laure, moi, je préfère qu'un homme qui me dit, la seule Laure, voilà, je te fascine ici. Mais quand tu demandes, quand tu proposes, ça fait qu'il y a des moments quand tu appelles. À cause de vous aujourd'hui, ils ont changé plein de numéros. Ils ont au moins plus de 50 plus. Parce qu'ils sont fatigués. Si tu es fatigué, faut mais pas ils sont fatigués. Moi, je ne comprends pas. Mais ils n'ont qu'à se dire, certaines vérités. Parce que ce comportement en Afrique ici, chez nous ici, ça n'existe pas. Une femme, non. Une femme, c'est naturel. Pour dire à un homme, si tu m'as, tant que tu ne m'as pas payé, ou bien tu as fait, il faut payer. On ne paye pas l'amour. L'amour, c'est de l'art, c'est quelque chose qui doit continuer. Parce qu'aujourd'hui, Sonia, aujourd'hui, partout. Sola. Aujourd'hui, il faut que la personne te dise, ah, Sola, ça va bien, tu vois. Mais c'est déjà. Tu as enlevé tout dans lui parce que d'après toi, il a une grosse queue dans chez lui là-bas que tu ne peux pas soulever. Chaque marmite a sa fermeture. Si c'est rentré, c'est que tu peux soulever. Sa marmite ailleurs. Allez, si c'est rentré, c'est que tu peux supporter. Enlevez ça dans votre tête. Enlevez ça dans la tête des femmes. Non. Peut pas enlever ça. Mais si, parce que aujourd'hui, ça fait que beaucoup d'hommes maintenant aujourd'hui ont peur maintenant de s'approcher des dames, des jeunes. Et là, comment vous êtes belles. Même quand j'ai dit, mais tiens, elle est restée naturelle. Elle a un beau teint bien propre. Mais regarde ce qui est derrière naturel, c'est grave. C'est pas grave, maman Laure. Parce comment que quelqu'un va coucher dans la nôtre. Notre époque, là, c'est pas ton époque, maman Laure. Toi, peut-être, tu es au stade où avant, oui. Les gens te voient, je t'aime, je m'aime, on s'aime, et puis bon, on se suit comme ça, comme deux personnes qui n'ont pas d'ambition. Non. Maman, aujourd'hui, c'est fini. Regarde, par exemple, le foyer. Je te prends un exemple simple. Moi, je connais plein de gens. Attends, avant d'aller au bout de tes idées, tu m'excuses. Parce que quand tu me dis, ce n'est pas votre temps. Nous, notre temps, on n'est pas né vieille. Non, c'est pour te dire qu'on n'est pas né vieille. Il y a des générations. Non, il y a des générations, je suis d'accord. Votre génération, aujourd'hui, je pense que c'est une génération qui est nulle. Ah, ça, c'est toi qui vois. Non, mais c'est très nul. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent se marier. Dans le gourmet sucré, aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent rester avec une femme. Mais si toi, déjà, tu parles là, elles vont dire, ah, celle-là même, là, voilà. Ah non, il faut qu'on efface chacune ça. Chacune est venue avec son état d'esprit dans sinon, où je suis, où je suis là aujourd'hui là. On n'est pas, je suis aujourd'hui, je reconnais que j'ai plus de l'âge, mais au moins je ne suis pas née vieille. J'étais aussi jeune fille où je suis. Et puis d'abord, l'amour m'est déjà avec tout ce que tu entends de dire. Moi, je suis même pas allée à l'école. Je suis plus. Mais je suis un pilote. Monsieur Nyankuri Abateau Rigobert, un pilote. Est-ce que tu vois? Mais ce pilote, moi, mes parents sont des diminués. Mes parents sont c'est des gens qui n'avaient rien. Mais par le comportement, ce pilote qui va matin, midi, qui a conduit même au fouet, qui va matin, midi, soir, partout. Mais pourquoi il s'est accroché de la seule Laure? Parce que je me suis donné de valeur. Mais si je disais, comme c'est un pilote, il a mouru ça, il n'a qu'à payer, on ne paye rien. Maman Laure, le pilote là, il ne te donnait pas là. Hein? Au départ, il ne m'a rien donné. Mais après, il te donnait non? Il ne m'a rien donné au départ. Donc il a commencé à me donner, laisse-moi que je t'explique un peu ma vie. Le départ, ce n'est pas parce qu'il est pilote que j'ai dit, bon, comme il conduit avion, moi, mes parents, on dormait à Bobo dans une chambre salon et moi, la seule là, je dormais en bas de table. Tu vas au Samaké, c'est là-bas que j'ai commencé ma vie. Est-ce que tu vois? Et, premier jour, on est sorti. Et d'abord, vos histoires de string, les histoires de slip, moi, je n'ai pas connu ça. J'avais la blague. Quel à ton époque? Moi, j'ai porté mon code rouge. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai porté mon couille. Par exemple, le vrai sexe d'une femme, il faut porter le couille pour redresser ça. Je suis d'accord avec donc, ça. Donc, quand M. Nyankuri est rentré dedans, il a vu chaleur humaine là. Un matin, il est venu, il a garé encore la BM. Est-ce que tu as vu?
Et c'est pas le comportement de la dame. Il m'a dit, mais si je disais, bon, Nyankuri, comme tu es pilote, tu as soulevé mes deux pieds hier, il faut me payer tant. Notre temps aussi, on s'habillait classe. On portait aussi cher. D'accord. Mais on ne vendait pas le corps. Parce que le corps d'une femme est sacré, c'est pas parce que j'ai connu tant. Même pas deux mois, M. Nyankuri a fait mon corps qu'on s'est marié. Si je disais, bon, parce qu'en France, quelqu'un qui est un pilote, il voyage, quelle femme il ne trouve pas? Ce n'est pas quelqu'un de sans manquer qui dort dans la cour commune qui va l'effrayer. Mais c'est le corps d'une femme qui donne l'envie. D'accord. Sinon, tout le monde où tu es là, tu es très belle, il n'y a pas ton deux. Mais ce que tu entends expliquer, mais ceux qui vont écouter là, s'il n'a rien, ça que le pauvre ne va pas bander. Mais il a le droit de bander et puis il a le droit de déverser où il veut. Mais simplement, il n'a qu'à savoir où il bande. C'est de ça qu'il s'agit, moment-là. La seule loi, comprenons-nous bien. Je n'ai pas demandé à mes sœurs de se prostituer. Loin de moi cette idée. Je dis tout simplement que nous sommes dans une époque où aujourd'hui là, l'argent est maître de tout. Ne nous mentons pas. J'ai dit tout à l'heure que c'est donnant-donnant. Mm-hmm. Tu penses que les jeunes que tu vois dans le foyer là, mm-hmm. tu penses qu'ils prennent des filles qui ne font rien de leur vie pour les déposer dans la maison? Il y en a plein. Non, maman. Ceux qui sont ambitieux là, oui. Ils te prennent toujours des femmes qui ont une situation. Mm-hmm. Et je sais de quoi je parle, je sais de qui je parle. Moi, je ne suis si pas. Si tu vois qu'un jeune a pris. Maman, alors, je ne t'ai pas interrompu tout à l'heure. Attends, je vais développer parce que nous ne nous éparpillons pas. Si tu vois que le gars a une femme, que la femme ne peut-être fait rien, c'est que lui-même financièrement, il est assis. Et quand bien même s'il est assis, il va développer une activité pour sa femme de sorte à ce qu'elle soit indépendante financièrement. Maintenant là, si tu payes allumette, je vais payer la bouteille de gaz. C'est vrai ou c'est faux? Mais si toi, tu t'en vas vers une femme, tu ne fais rien, la fille fait quelque chose, tu es sûr que la fille là, elle va t'aimer. Et même si elle t'aime là, c'est pour un moment. Quand elle va voir que tu deviens une charge pour elle, elle voit qu'elle se démène au travail. Quand elle rentre, monsieur assis là à jouer PlayStation au salon, il ne fout rien, il ne rapporte pas une thune à la maison. Mais la seule là, elle va te remplacer par quelqu'un qui lui apporte quelque chose. C'est clair et net. Donc ce que je veux faire comprendre à nos sœurs et à nos frères surtout, c'est que c'est bien beau de nous traiter de matérialistes. Mais est-ce que eux-mêmes, dans leur fort intérieur là, ce qu'on dit là, c'est faux? Tu ne peux pas être avec une femme. Tu ne peux même pas lui acheter, comme tu le dis, un string. Tu peux même te dire, bébé, pardon, aujourd'hui, là, je sors avec mes copines. Est-ce que tu n'as pas peut-être 50 000 d'euros? Je vais aller au moins cotiser, mes copines, on va aller manger. Tu te grattes la tête ou tu disparais. Mais quand la fille va rencontrer quelqu'un qui peut faire ça pour elle, là, tu penses qu'elle va faire quoi? Elle va te laisser aller là-bas. Parce que c'est une réalité, c'est ce qu'on vit. Ton époque, là, c'est l'époque de nos mamans où des fois, même, elles n'ont pas de travail. Mais papa même dit, faut pas travailler, tu t'assois, tu es femme au foyer, tu élèves seulement nos enfants. Moi, je fais bouillir la marmite. Ça, c'était votre époque. Et nous, on est fiers de vous. On est fiers de vous c'est pour ça. Mais notre génération là, avant tu pouvais avoir un terrain de 2 millions, 3 millions à Bienzi. Maman, aujourd'hui terrain là, va demander plus de terrain en gré. 100 millions, 200 millions. Si tu ne travailles pas, tu vas avoir terrain où? Bon, attends, les données ont changé, maman. Tout ce que ça a changé. Ce que je voulais te poser aussi comme question. Est-ce que vous êtes marié? Ce qui est sûr, j'ai mon quelqu'un. Non, je demande si vous êtes marié. Je ne suis pas encore marié légalement. Mais on ne peut pas se marier avec quelqu'un. Vous marier. Parce que va me marier. Va me marier, toi. Parce que, le comportement, tout ce que tu entends est cité là, qui va porter sa candidature? La seule loi, c'est parce que tu ne veux pas comprendre la vérité. Non, mais c'est la seule loi, tu as des enfants, non? Tu as des filles, non? Moi, j'ai au moins 8 enfants, s'il voilà, te plaît. Voilà. J'ai mes enfants. Non, laisse-moi aller comme tu as parlé tout à l'heure. Parce que quand un homme vient coucher avec tes filles, ne fait rien pour elles. C'est-à-dire que de belles filles, tu as déposé, elles sont taillées, bien gaulées, femmes de chez femmes. Garçon vient, il prend, il dépose, il finit. L'autre vient, il apprend, il dépose. Une boîte d'allumettes que mon lui a jamais donné dans la relation. Tu vas l'encourager, maman? On n'a pas dit qu'à le se vendre, mais tu vas lui dire, ma fille, mais trouve quelqu'un qui financièrement peut t'aider ou bien t'aider à faire un commerce pour que tu sois indépendante financièrement. Pourquoi on va se mentir à cette époque-là? On n'a pas besoin de se mentir. Aujourd'hui, là, les femmes, surtout les femmes ou bien les filles à votre âge, là, d'après vous-même, vous, c'est votre temps. Mais il y a des jeunes aujourd'hui qui ne font rien, mais qui se sont battus pour vous aider. Mais au dernier moment, vous avez mis shit à ces jeunes-là. Moi, en tout cas, je me suis. Non, mais si, vous avez mis shit à ces jeunes-là. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont souffert. Qui ont dit je me suis battue seule. Vraiment, j'ai vu une jeune femme vraiment qui me plaît, je vais l'aider. Est-ce que toi-même, pour rien. Bon, la preuve, tout ce que tu disais là, s'il y avait quelqu'un aujourd'hui, tu devais être quelque part aussi marié. Mais qui? Mais je, il y en a je pas, te, qui te, va dire te que, je te dis que je suis dans un foyer. Le mariage, ça vient avec le temps. C'est Dieu qui donne. Non. Moi, on ne force parce rien. Parce que premier jour, tu viens de dire. Non, je suis désolée. Là. Mon chéri, là, avant de rentrer dans ma vie, il connaissait mon état d'esprit. Il savait quand il venait le genre de femme à qui il avait affaire. Il sait que je ne me prostitue pas. Tu ne me verras pas dans les boîtes de nuit. C'est très, très, très rare. Mm-hmm. Je ne suis pas la femme qui est tout le temps dehors. Mm-hmm. Moi, c'est boulot, maison, travail. Mm-hmm.
je ne suis pas éparpillée. Mais quand il est venu, je lui ai dit, ah, bébé, moi je suis quelqu'un, je ne suis pas riche, mais je n'ai pas faim. Si tu veux rentrer dans ma vie, au moins là, tu peux aussi m'aider. Nous deux lavons nos mains. Si demain tu as problème que je peux t'aider, je le ferai. Si j'ai problème aussi, j'aimerais que tu sois là pour moi. Il m'a dit, bébé, je suis allée ça. On s'est mis ensemble. Aujourd'hui, la relation marche. C'est parce qu'il m'a pas encore porté devant le monsieur le maire. Que ça veut dire que je suis malheureuse. Je ne suis pas malheureuse. Quand tu me regardes, maman, je brille, non? Non. C'est lui qui est derrière ça. Non, non, je dis. Voilà. Je suis d'accord. Il me permet de prier, de me mettre en avant. Laisse-moi ensuite. Financièrement, il me fait bien. Voilà. J'aime ça. Il te fait et toute très femme bien. Mérite ça, maman. Il te fait bien. Toi, c'est ta vie privée à toi. Mais ce que j'ai à te dire, moi, la seule lors de tout le plus, je vais te dire, n'encourage pas les femmes pour leur dire que moi, si quelqu'un ne me donne rien, c'est pas tout. Les doigts n'ont pas les mêmes. Laisse-moi, quand tu parlais tout à l'heure, les doigts n'ont pas les mêmes tailles. Voilà le plus ça, petit, grand, jusqu'à ça et là. Mais okay. Aujourd'hui, parce que toi, il peut trouver quelqu'un aujourd'hui qui n'a rien, qui est un balayeur de rue. Et puis, elle, sa vie est heureuse, elle ne se gêne pas. Elle n'a qu'à faire qu'il l'a attrapé. Mais oui, mais quand je tu dis... Je ne la retiens pas. Non, moi j'ai vu, il y a des hommes aujourd'hui qui ont aidé des femmes qui sont nulles, qui ne sont rien. Mais un dernier moment, elle a commencé à lui créer tous les problèmes. Donc, pour ne pas faire du tapage, parce que toi, tu parles de pour toi. Mais quand le monsieur, tu dis que tu es marié. Parce qu'une femme qui est mariée ne peut jamais dire aux gens, moi là, tant qu'on ne me donne pas ça, on ne fait pas ça, ce n'est pas normal. Parce que moi, je peux marier aujourd'hui un balayeur de rue. Il me dit, bon, la seule heure de tous les pleurs, moi, je n'ai pas les moyens, je paye une bouteille de Fectou, je mets ça dans notre maison. Et la bouteille de Fectou est là, bon, par jour, je te donne 1500, manger de 2 jours. L'amour, on n'a pas besoin de faire tout ça pour dire que c'est l'amour. Parce qu'il faut aimer d'abord la personne, même en personne. Mais vous calculez déjà, il va me payer ça, il va payer terrain de 100 000. Moi-même, là, mes parents, on a dormi dans un sucre au bois. Mais on rêvait bien. Mais maman, là, j'ai l'impression que quand tu parles, tu prends ton cas pour une généralité. Non, mais je ne prends pas mon cas, mais parce que tu entends parler des terrains de 100 millions. Qui va s'approcher? C'est une réalité. Attends, moi, terrain de 100 millions, c'est un exemple que j'ai donné. Je n'ai pas dit qu'il faut me donner un terrain de 100 millions. Oui. Non, ne nous éparpillons pas. On n'a pas une histoire de 100 papiers, mais il faut qu'on se dise certaines vérités. Oui, mais la vérité, on est dedans, maman, là. Apparemment, tu ne me connais pas. Non, je n'ai même pas besoin de faire ta connaissance. C'est ta parole que moi, je... Regarde, écoute bien ce que je te dis. Je dis... Les réalités sont différentes. Et j'ai bien dit, je dis ton époque là, ce n'est pas notre époque. Mon époque est différente. Ton époque, je ne sais pas aller à la vous mort. Êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous étiez dans une logique où peut-être la femme ne travaille pas et puis le monsieur fait tout. Lui-même, il lui dit, reste à la maison, sois femme au foyer, éduque juste les enfants. Nous, notre époque là, tu ne peux pas te permettre d'être femme au foyer. Le monsieur même te dit, va travailler pour avoir de l'argent, pour ramener de l'argent à la maison. C'est deux mecs qui se lavent. Et toi, tu es sûr que tu peux aller chercher l'argent dehors pour envoyer. Toi, tu es sûr que tu peux aller envoyer l'argent à un homme à la maison pour lui donner. Tu as fini de parler, je t'ai écouté. Parce que depuis, on a signé, tu t'es maquillé. Ton maquillage, même simplement, aussi, je connais le prix de ça. Mais toi, tu es sûr d'aller travailler quelque part, prendre compter l'argent pour donner à un homme que tu vis. Parce que tu es dans mon foyer pour connaître mes réalités. Non, non. Non, je te pose une question, là, celle-là. Tu m'as dit que tu vas aller travailler. Mais bien sûr, et puis quand tu. Est-ce que tu sais pas que je travaille? Non, donc, tu penses que mon mari à la maison, là, c'est lui qui paye tout? Non, la seule lors. Si le gaz est fini, que mon mari à la maison, il va payer le gaz. S'il n'est pas à la maison, que le gaz est fini, j'enlève l'argent, je paye le gaz. C'est ça qui est normal et c'est ça qui est juste. Voilà, devant Dieu, c'est comme ça que ça doit se passer. Maintenant, si le monsieur a trop de sous, qu'il dit à sa femme, c'est pas la peine de dépenser 5 francs dans la maison, là, c'est autre chose. Mais quand on est actuellement dans notre époque, notre génération, là, on est deux dans un couple, là. Si monsieur enlevé, tu peux enlever aussi. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis. Quand il fait pour moi. Moi aussi, quand j'en ai là, je fais pour lui. Tu penses que des fois, je ne prends pas mon argent pour appeler mon mari pour dire que bébé, ce soir, je t'invite au restaurant. Et puis, c'est moi qui paye la facture. Tu penses que je ne le fais pas? Je le fais. Tout comme lui aussi, il le fait. Et c'est ça qui est normal. C'est ça qui est juste. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la vérité? C'est vrai. Les messieurs sont assis là. Il ne faut pas me dire que leur femme à la maison n'enlève pas 5 francs. Bon, je prends un exemple simple. Je viens d'accoucher. Je suis à la maison. Bébé ne va pas bien. Monsieur au travail. On doit emmener l'enfant d'urgence à la clinique. D'attendre que monsieur arrive du travail pour prendre l'enfant pour l'envoyer à l'hôpital. Moi, monsieur, à la maison, j'ai pas l'argent pour envoyer l'enfant à l'hôpital. J'attends monsieur. Non, je ne l'attends pas. J'ai l'argent, j'envoie l'enfant à l'hôpital le temps que monsieur arrive à la maison et puis on voit comment on gère. Donc ça, là, c'est pour te dire que c'est ça qui est normal. Oui, dans notre génération, là, c'est ce qui est juste. Moi, je vois des femmes dans le foyer. Monsieur, des fois, c'est chaud, il ne travaille pas, il fait business. Il y a des mois, ça ne rentre pas. C'est madame qui gère tout à la maison le temps que monsieur se retrouve. Ça ne chauffe pas. C'est méchant. J'ai dit. C'est méchant. Vous me permettez. Tout ce que madame... Parce que quand madame, ce que moi je connais même sur la terre ici,
quand madame a payé une ampoule, tous les gens de Blême à côté seront au courant. Parce que ce n'est pas facile de voir une femme à la maison. Ça, c'est allé. Parce que toi, tu dis, parce qu'aujourd'hui, j'ai un enfant, c'est mal. Non, non, mais ce n'est pas possible parce que c'est rare de voir une femme qui va dire aujourd'hui, j'ai fait du bien. C'est rare, mais ce n'est pas impossible. Non, mais c'est du jamais vu. On a l'impression, là, c'est lorsque tu mets tout le monde dans le même panier. Non, c'est du jamais vu, mais il y a la vérité, je suis en train de te dire. Il y a des femmes qui le font. Parce que quand tu me dis déjà aujourd'hui, si mon mari n'est pas là, que l'enfant est malade, je dois l'emmener à l'hôpital. Mais je suis sûr et certain, et puis je signe, moi la seule lors de tout le pleu, monsieur va te rembourser ça. Bon. Mais il rembourse, il rembourse pas. Hein. Mais en cas d'urgence là, au moins la femme a fait ce qu'elle devait faire avec ses propres moyens. Elle n'a pas attendu l'arrivée de papa de l'enfant pour aller le faire. Et il y a plein de jeunes filles qui le font. À t'entendre parler, on a l'impression qu'on est des foutariens. On est là, on est juste chic, belle. Et on n'a qu'à se taire. Et puis, quand quelqu'un vient vers nous, « Ah, tu sais, moi, si tu ne m'as pas donné un million, bien, un terrain de 100 millions, tu couches avec moi. » Non, maman, Laure, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis tout simplement que normalement, hein, les gens n'ont qu'à être francs et honnêtes. Je ne connais pas, je ne connais aucune femme qui va se dire, « Bon, moi, j'ai ma bonne situation, je vais aller me prendre un peut-être, je ne sais pas, je dis tout, un va-nu-pied pour le faire rentrer dans ma vie. » Mais va-nu-pied, c'est une agression bouche armée. Mais elle, quand il est va-nu-pied, il y a des gens qui c'est une agression bouche armée. Il y a des gens, qui n'ont pas envie de faire quelque chose. Ils ont du talent, ils ont l'intelligence qui va avec, mais ils n'ont rien. Il ne peut rien faire, mais sa queue est là. Mais est-ce que la queue, non, là, non. C'est ça qui fait avancer l'être humain dans la vie? Non, mais ça peut faire. La queue d'un homme, là, est-ce que c'est ça qui fait avancer une femme dans la vie? Ce qui fait avancer une femme dans la vie, c'est son travail et puis c'est d'avoir un bon partenaire dans la vie. Point final. Allô? 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 Ah oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Ah, écoute, vraiment, maman, merci. J'écoute vraiment, merci de ce que vous parlez. Oui, merci aussi. C'est vraiment très, très bien. Vraiment, aujourd'hui, nos jours, aujourd'hui, vraiment, quand tu crois une fille nette, ton premier problème d'abord, c'est l'argent. Le premier souci d'abord, c'est l'argent. Parce que maman, je vous soutiens vraiment, c'est pour vous dire vraiment, c'est la vérité. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais bien rebondir sur ce que la plan vient de dire. Je sais que un homme, quand il vient vers toi... Tout ce que je voulais, vous allez continuer tout à l'heure. Hein. Tout ce que vous voulez dire, ne me dites pas aux gens, c'est le vanipier. Un homme n'est pas vanupier sur la terre. Non, je ne traite pas les gens de vanupier. Mais voilà. Il faut reconnaître qu'il y a quand même des vanupiers, des gens qui n'ont pas envie de faire quelque chose de leur vie. Voilà, c'est ça que j'appelle les vanupiers. Ah, parce d'accord. que quand tu es doté d'une intelligence, on voit des gens qui sont estropiés ici, mais qui travaillent. Oui. Oui, je vous appelle pour expliquer vraiment mon problème. Oui. J'ai un problème vraiment, c'est que vous dites vraiment ça va en dehors de ce que je souffre. Je vis avec une femme à la maison. Oui. Voilà, j'ai adopté, on est à la maison, on vit ensemble très bien. Avant, tout était bien. Mais dans ces derniers jours, j'ai remarqué un peu que ça ne va pas trop. Encore tout ce qu'elle me demande, je fais. Parce qu'on est arrivé dans le quartier, elle a commencé à fréquenter, il y a les filles, elle a commencé à fréquenter les jeunes filles. Donc, comme ça, elle est changée complètement. Souvent, quand elle invite avant, quand on va sur le lit, tout se passe très bien. Donc aujourd'hui, même quand on va sur le lit, elle refuse carrément de me faire l'amour promptement comme il se doit. Elle refuse même de me faire la pipe comme il se doit. Donc maman, vraiment, je vous appelle que vous me donnez un peu de conseils. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que vous nous suivez, hein. Vous suivez notre émission, c'est bien. Oui, vraiment, merci beaucoup. C'est pour te dire que, écoute-moi, hein. C'est pour te dire que tout ce que tu entends de dire, c'est parce que probablement qu'il y a un gourmet qui est en toi, qui est sucré. Ça, c'est un bon gourmet, ça. Mais c'est pour te faire comprendre que au départ, ça allait bien. Et puis maintenant, elle refuse même de faire l'amour. Vraiment, c'est pas facile. Donc, je pense que quand tu entends de me dire qu'elle va souvent chez ses copines de gauche à droite, c'est pour ça de te faire comprendre que quand tu aimes ta chose, vous êtes déjà connu. Dès le départ, c'était propre, non? Oui, dès le départ, c'était très propre. Maintenant, c'est au dernier très moment très que tu as vu maintenant que elle a... Vrai amour même. Ah, au départ, elle te faisait vrai amour. Oui. Maintenant, c'est dans ces temps-ci, là, ça a changé. C'est
ça a changé comportement. Quand j'arrive à la maison, souvent, visage est serré. Encore, tout ce qu'elle me demande, je paye, je l'envoie. Tout ce qu'elle me dit, je paye pour la donner. Mais je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Ah, d'accord. Quand vous êtes femme, vous pouvez quand même voir un peu, donnez-moi un peu de conseil. Tout ce que je puisse te donner comme conseil, tout ce que je puisse dire, c'est pour te dire qu'il faut rester tranquille. Tout ce qu'on entend est fait dehors, là, parce que l'homme s'intéresse à une femme qu'elle est occupée. Hein? Oui. Présent, c'est parce qu'il sait qu'elle est occupée, hein, qu'il ne va pas payer courant, il ne va pas payer l'eau, il ne va pas payer maison. Donc, il entend l'embrouiller dehors là-bas. Mais toi, tu connais ta chose. Ça, tu restes tranquille. Tu vois, non? Parce qu'elle, elle ne peut pas te quitter. Mais si elle te quitte, là, le monsieur dehors, s'il n'est pas prêt de faire quoi que ce soit. Je ne t'ai pas dit qu'elle cherche garçon, hein. Mais c'est pour te dire, quand une femme fait ça, à toi aussi de voir dans toi, qu'est-ce que tu as commencé aussi pour qu'elle se comporte comme ça. Ou bien il n'y avait rien, puis brusquement, elle a coupé. Oui, ça a commencé comme ça. Moi-même, je ne m'a rien demandé. Comment, ça a commencé comme ça un coup. Donc, un garçon, même déjà, même chez moi, un garçon, quand il n'a pas allé chez toi à la maison, quand il va au travail, même là, c'est quand tu es menacé. Tu n'arrives pas à travailler comme il sait toi-même. Donc, ta femme qui est à la maison, vous l'entend très bien. Mais nous, à la maison, il n'y a pas un temps. Le soir, quand je vais partir à la maison, mais j'ai peur. Parce que ce qu'il y a encore à la maison, ce n'est pas la peine. Parce que souvent, quand on voit les hommes dehors, qui sont dans les maquis, qui passent même le temps là-bas, qui ne veulent pas rentrer, c'est la peur. Tu as ta propre maison, dès que tu vis à un gorille dedans. Tu as ta propre maison, on dirait qu'il y a des panthères qui vivent dans ta maison là. Parce que pour venir, tu as peur qu'elle va venir t'agresser. Est-ce que tu vois? Donc ce que moi je peux dire au moins à la jeunesse, de m'écouter. La parole d'une mère est très importante. De m'écouter. Se balader de gauche à droite, de porte en porte là, ce n'est pas la bonne solution. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont été des femmes, qui ont payé les coûts pour donner à des femmes, qui ont fait tout pour la famille. Mais à un moment, elle prend ce même argent pour aller entretenir notre gars dehors. Est-ce que tu as vu? Donc aujourd'hui, là, avec le gourmet sucré, vous êtes rentré dans le gourmet sucré, dans l'émission de gourmet sucré. Là. Dites-vous que vous avez tapé à la bonne porte. Mais cette dame qui est en train de te fatiguer à cause de ses amis, là, faut pas écouter tout ça. Toi, tu aimes ta chose. Parce que quand un homme parle comme ça, c'est qu'il aime encore la femme. Parce que si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas venir sur une grande télévision comme ça puis parler. Pardon? Elle dit, je l'aime très bien, je ne peux pas la laisser même. Ah! Donc, comme tu ne peux pas la laisser, c'est un gourmet qui te fatigue, mais tellement que c'est sucré, c'est tellement lourd. Donc, le problème du gourmet qui te fatigue là, la seule l'autre te dit, il faut rester tranquille. Parce que c'est un gourmet présentement qui n'est pas amer. Hein. C'est sucré comme ça, ça aide en toi. Et puis toi, mais comme tu fais en parler, de temps en temps, ça va passer. Mais c'est à toi maintenant de lui faire asseoir pour dire, ma chérie, dis-moi au juste, qu'est-ce que je t'ai fait qui te rend comme ça? Elle va s'expliquer. Est-ce que tu vois? Peut-être à l'époque, quand tu arrives du travail, tu as une manière de te comporter. Aujourd'hui, si tu as changé aussi, peut-être elle va t'expliquer ça. Sinon, avec le gourmet sucré, on est toujours, je suis toujours prête à vous donner des conseils. D'accord, merci beaucoup, maman, j'ai compris. En tout cas, je suis très content pour l'appel. Vraiment, ça m'a donné... Je vais essayer de la faire soi et de succès à elle très bien. C'est ça. Merci, c'est ça. En tout cas, Dans notre quartier, on écoute toujours la radio, on écoute toujours et on regarde la télévision. Et vraiment, je vous dis merci, votre arrivée sur l'antenne, vraiment, tout se passe très bien. On le souhaite parce que nous, les garçons, là, on souffre beaucoup. Les femmes nous fatiguent. Les filles que nous fatiguent, on tout fait. Tout ce qui est démantipé pour la donner. Mais toujours, c'est le même problème. Après, ça change, la change ici. Ma maman m'a fait au village, j'ai envoyé l'argent. Tout ce qui est bien, c'est toujours le contraire des choses que tu attends. Donc vraiment, bonne soirée maman, à toi. Je vous dis merci beaucoup. Merci aussi à toi. Bonne journée et salut toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci à vous, on vous écoute toujours, merci. Merci beaucoup. Ouais. Il y a des femmes aujourd'hui aussi, on les appelle. Elles vivent avec l'homme, hein. Le monsieur les entretient, qui donne tout. Mais elles sont mariées légalement, elles se disent femmes mariées. Mais elles quittent le foyer pour aller sortir avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu vois, comme le bas n'est pas de... Lui, il ne fait pas rapport. Il n'a pas bouche pour écrire. Il ne fait pas papatoya. Il n'a pas caméra là-bas. Il n'a pas caméra pour voir. Donc moi, je décide, en tant que la seule, là, je vais dire, si les gens peuvent m'aider un jour, me donner des caméras, ou bien les télécommandes, on va mettre dans les fesses des femmes là. Tu entends le coucher femme de quelqu'un, ça doit sonner chez le monsieur. Mian, 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 on entend le couiller ta femme. Si on peut nous envoyer des caméras comme ça va nous plaire. Vraiment. Parce qu'une femme, tu es mariée, tu restes dans ton foyer. C'est cela. Tu ne veux plus de la personne, tu le libères. Tu lui dis, ah, moi, je ne veux plus de toi.
Et la jeunesse, c'est quoi? Il y a des jeunes aujourd'hui, ils n'ont rien, même s'ils ont les 1000 francs là. Mais il faut tout quand même pour qu'on dise que c'est sa copine, pour la mettre à l'aise. Mais à un dernier moment, quand les deux. Il y a des gens qui vont souvent dans les bois de nuit. Même en âge, il y a des bas. Moi, je fréquente aussi des bois de nuit, que je n'ai pas besoin de dire les noms. Mais il y a des quoi? Tu vas être ta copine tout de suite. Arriver quelque part, et puis il t'abandonne là. Et puis ça devient au jeu des histoires. Donc, les femmes mariées, là, arrêtez, restez bien dans votre foyer. Tu ne veux plus du monsieur, doucement, sans bavardage. On se sépare. L'amour, ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est pas une guerre. Mais je veux que toujours on soit des amis. Mais tu as, dans mon foyer, le petit a grouillé, il a eu son matelas, son lit de 25 000 francs. Il a payé son matelas. Il te mourut dessus, ça ne te suffit pas. Son petit agent, il te donne juste des fêtes qui arrivent là. Décembre qui arrive là. Tu vas voir toutes les femmes qui ont un caractère hors sujet là. Elles seront gentilles. Le savoir parler là, c'est très important. La beauté, quand je vous vois comme ça, il dit, mais tiens, c'est rare de voir un teint noir bien brodé, mais quand c'est pour ce teint qui est joli comme ça, puis il y a les choses qui sont, on parle qui sont tant, tout le monde est riche, il n'y a pas de pauvres sur la terre. Tout le monde est riche. Mais c'est rare, tu vas voir une femme aujourd'hui, il y a des femmes aujourd'hui, leurs parents, ils n'avaient rien là, ils sont tombés sur un enfant, c'est qu'il n'a rien, mais l'enfant grouille. Il grouille quand même pour se faire l'honneur dans cette famille. Mais aujourd'hui là, quand l'enfant aujourd'hui gagne, il lui donne 1000 francs, elle préfère aller se faire couiller dehors, donner 900 francs là-bas. Quand tu vois une femme ivoirienne en Côte d'Ivoire ici, qui paye une ampoule dans la maison qu'elle vit avec son type là, tout le plaît, jusqu'à Tambri sera au courant qu'elle a payé. C'est pas facile de voir une femme faire du bien dans la maison. C'est pas facile. Parce qu'elle va toujours en parler. Ah, dans 2 jours, c'est moi qui fais ça maintenant. Ah, maintenant là, vraiment, on souffre d'elle. Dans 2 jours là, vraiment, j'ai là, ma copine, j'ai dit, ah, il m'appelle encore. Oui, c'est pour faire quoi? C'est pour payer sachet de riz là. Alors que l'homme, quand il te rend, tes parents, quand ils voyaient tes parents, ils n'ont pas d'âme. Il a soudé tout ça. Ils étaient chauves. Il a mis tout. Mais à son tour là, quand il y a un trou, tu viens de dire, c'est les deux mains qui se lavent. C'est les deux mains qui se lavent. Mais à nous, notre tour, on fait un bavardage. On va expliquer à tout le monde, j'ai payé ça dans la maison. Alors que l'homme, il peut te payer une belle voiture que vous avez. Il va payer tout pour te donner. Personne ne sera au courant qu'il fait ça. Mais toi, si tu allais à côté payer un caleçon avec corde pour lui donner, il a porté la nuit là. Il ne va même pas arriver en ville. Tu le vois marcher, il porte moi-même mon caleçon que j'ai payé pour aller sortir avec les femmes. Mais ça ne se fait pas. L'émission tire à sa fin. Donc, je vous dis merci beaucoup. Gourmet Sucré vous attend. C'est une émission pas comme les autres. Merci là-bas.